Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu particulière puisque je vais vous présenter mes lunettes de vue d'Airsoft. Donc on commence tout de suite. Elles sont vendues dans une belle boîte en dur, donc ce sont les lunettes de chez Royal. Une marque assez répandue dans les shops, hein, coûte pas excessivement cher. Vous aurez le même procédé chez Bollée, chez plein d'autres marques. Hein, mais le principe restera le même. Donc à l'intérieur de la boîte, la monture, une petite lingette pour les nettoyer, la petite cordelette pour passer derrière la tête et sur les barres afin de la maintenir au maximum, que je n'utilise pas moi pour le coup, bon, c'est tout de même fourni. Et vous avez deux autres paires de verres, une paire de jaunes, une paire de gris clair, une paire de noirs que moi j'ai monté sur les miennes. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc elles sont emballées dans un autre étui. Voilà. Moi j'ai mis les verres noirs. Vous pouvez voir le petit logo Royal. Donc c'est une paire de lunettes en plastique assez basique, hein, même solide, s'adapte à toutes les têtes, avec des petits grips en caoutchouc qui passent derrière les oreilles pour bien les maintenir. Donc elles ont pas tournant, elles bougent pas du tout, hein. Elles filent pas de la tête, c'est vraiment bien. Pour le prix, je crois que j'ai dû les payer une trentaine, 35 ou 40 euros la monture seule. Donc le procédé qui est pratique sur cette paire de lunettes, comme je vous l'ai dit, ce sont des lunettes d'airsoft, mais de vue aussi. Donc vous allez pouvoir basculer les verres de protection et accéder aux verres de vue qui sont juste en dessous. Donc les lunettes vous sont vendues avec un petit insert en plastique qui viendra se greffer ici. Hook. Donc ensuite, à vous d'aller chez votre opticien avec l'insert pour faire monter vos verres de vue. Donc moi, je suis myope, hein, donc j'ai pas une correction énorme. J'ai mis les verres les plus bas de gamme qu'on pouvait monter, hein, sans anti-reflet, sans machin. Les plus basiques qu'on pouvait, j'en ai eu pour, si je dis pas de bêtises, oui, 70 euros, donc pour avoir les verres dans les inserts, que je suis venu fixer ici, sur la paire. Donc je vois parfaitement, tout en ayant les yeux bien protégés. Ce qui m'évite de faire des systèmes comme je vois beaucoup de mecs avec leurs lunettes de vue et un masque par-dessus, leurs lunettes sont écrasées sur la tronche. C'est juste horrible, je l'ai fait au départ et maintenant ça va faire un... Je sais
sais pas combien de temps je les ai, mais bon, c'est indispensable. Pour moi, pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes de vue, je pense que c'est la solution. Donc, ça fait quand même c'est un certain coût, hein. Donc, je vous ai dit, les verres en dessous, j'en ai pour 70 euros, plus la monture qui est à 30 ou 40, donc ça vous fait quand même pas loin de 110, 120, suivant votre correction. Vous avez d'autres montures qui feront ça. Il y a Bollé qui en fait des bonnes. Mais là, tout de suite, on s'envole dans la gamme de prix. Ces lunettes-là vous protégeront quand même parfaitement les yeux, malgré qu'elles soient assez fines. Et vos verres ne souffriront d'aucunement des attaques des billes. Donc, vous inquiétez pas, ni pour vos yeux, ni pour les verres derrière. Il n'y a pas de souci. Et le côté pratique, c'est que c'est ça. Et le côté pratique, c'est que les inserts vont pouvoir se clipper sur d'autres montures. Donc, si par la suite celle-ci ne vous plaît plus, vous pouvez récupérer vos inserts et pouc, venir les clipper sur une autre paire. Donc, une fois que ces inserts-là sont faits, c'est pas à vie. Si vous jouez à l'airsoft à vie, c'est à vie, mais je veux dire, vous avez juste à les changer de monture et hop, c'est reparti de plus belle. Donc, voilà. Une petite paire de lunettes sympathique. Donc avec le système basculant, vous pouvez changer les carreaux des verres de protection pour mettre du jaune en CQB, du gris clair. Donc moi, vu que j'ai les inserts derrière qui protègent mes yeux, je joue uniquement avec le noir. Je trouve que ça fait un peu gogol de voir les lunettes en dessous. Bon, après, c'est un choix personnel, hein. Libre à vous de faire comme vous voulez. Jouer avec les jaunes. Bon, avec les jaunes, ça fait un peu bizarre quand même de voir les inserts en dessous. Après, en jaune, c'est quand même la meilleure couleur pour jouer en CQB. On a l'impression qu'il fait jour, mais chacun son choix. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez savoir où j'ai trouvé la monture afin de vous en faire une paire également. Je vous donnerai le lien. Donc, je vous rappelle le prix, hein, 40 euros la monture et à peu près 70 euros pour les verres sur les inserts. Donc ça épouse parfaitement les yeux, hein. Ça ne vous gênera pas du tout. C'est vraiment fait pour nous les taupes. Voilà, allez, à plus, ciao.